Timoun yo t'as été subi pendant l'année 2022 et notamment Timoun qui n'a zone défavorisée. Et on analyse sur différents droits Timoun yo, Timoun qui n'a la rue, Timoun qui est en conflit avec la loi, ça veut dire que Timoun qui est en prison et sur différents droits et Timoun yo. Et font auto-évaluation de l'année 2022 et pour Timoun qui est capable de rentrer dans l'année 2023 qui est pire bon pour eux. Pour avoir plus de protection. Et nous dit que l'objectif principal de ce rapport là, c'est fournir des informations sur la situation de Timoun yo en Haïti de janvier 2022 à décembre 2022. Deuxièmement, mettre en évidence différentes interventions et réalisations que Zemmour Timoun a réalisées dans le pays, notamment dans trois départements, département des NIP, centre et l'ouest. Et troisièmement, faire des recommandations à l'État et à la société civile pour Timoun a bien une vie qui est bon. Merci. Pendant l'année 2022, Fondation Saint-Timoun, qui sont organisés pour défendre et faire recevoir Timoun en Haïti, ils réalisaient plusieurs activités qui visaient à contribuer à changement social et économique pays. Intervention Saint-Timoun a touché presque toute région géographique pays, que ce soit le Grand Nord, le Grand Sud, le Centre et l'Ouest. Saint-Timoun travaille avec l'institution étatique, à savoir l'Institut du bien-être social et de recherche, la brigade de la protection des mineurs et tout l'autre acteur tout qui dans la chaîne protection qui vise porter une réponse à besoin Timoun. Alors, amis Timoun, dans l'intervention que l'I fait dans l'année 2022, dans trois départements, centre, l'ouest et NIP, l'I baille une assistance scolaire à 302 Timoun parmi eux, 151 Timoun. Il y a 9239 Timoun qui vivent participer dans des activités psychosociales avec Fondation Zanmi Timoun, qui sont des espaces amis des enfants, qui sont des espaces qui sont là pour les Timoun sont capables de venir recréer et divertir pendant que vous avez appris à loi. En plus, Zanmi Timoun a appui psychologique à 100 Timoun, par le biais des professionnels. Que Zanmi Timoun gagne, que ce soit à Port-au-Prince ou à Belader. En termes d'assistance humanitaire, Zanmi Timoun, à travers le centre de transit que l'on gagne dans Belader, l'arrivée accueille 761 Timoun pour l'année, Timoun qui n'est pas accompagné de parents et qui rapatrié par la République dominicaine sous frontière Belader. En plus, Zanmi Timoun arrive tout et répertorie ses 4 cas de traite. Dans la commune Thomasic, Inche ainsi que Belader. Là-dedans, il y a 34 cas de traite transfrontalière que l'on répertorie et puis 16 cas de traite domestique. Ajouté à tout ça, Zanmi Timoun fournit des assistances économiques avec 920 familles pour l'année 2022. À côté qu'il y a bien promoté ou encore renforcé des activités économiques pour répondre à besoins primaires de Timoun. Il y a là-dedans 350 familles qui vivent bénéficier en accueil en termes matériels, que ce soit kit hygiénique, matelas, sac de couchage, serviettes, etc. À côté de toute activité ça que Zanmi Timoun a fait, il pas négliger action de sensibilisation et formation que il fait, que ce soit avec les élèves, organisations communautaires de base, leaders religieux, autorités locales et autres. Alors plus de 25 000 personnes vivent sensibilisées à travers des groupes de parole, focus group, conférences de presse, émissions, notes de presse, rencontres communautaires, formation jeunes, formation pour des associations de femmes, entre autres. Mais c'est sous des thématiques qui sont liées à la protection de l'enfance. Malgré toutes différentes actions, ça représente une Timoun qui déposé, mais ça n'a pas empêché le droit de Timoun de suspendre violer sur tout le territoire. Là. Par conséquent, Zanmi Timoun recommande à l'État haïtien pour lui décentraliser le système service de protection Timoun. Bien que nous connaissons,
bien-être social qui est présent sur tout le territoire là, mais un meilleur support économique capable de rendre le travail plus efficace sur le terrain. Zamiti, on veut commander tout que mineurs en conflit avec la loi au niveau jeune accès à la justice pour capable de réduire le taux de détention préventive prolongée. Yon lot bon encore, Zamiti, on demande à l'État ici pour renforcer le système d'enregistrement de naissance et d'état civil dans le pays pour plus de monde capable de enregistrer. En plus, pour mettre des dispositions nécessaires et urgentes pour capable de protéger le droit à la vie. Et pour finir, Zami Timoun a demandé pour que l'État crée bonnes conditions de vie pour Timoun vivre bien dans le pays et améliorer l'environnement protecteur Timoun. Merci. Non, pas M. Dafka Baptiste, responsable de programme à la Fondation Zami Timoun.